Nous sommes là pour prendre congé de Chantal, qui s'en est allée subitement la semaine passée. À peine plus de 2 jours ont suffi pour nous l'enlever, à l'âge de 70 ans. Nous sommes rassemblés pour entourer Martin, son mari, ses 3 enfants, Sébastien, Caroline, Jérémy, avec leur famille, ses 2 belles-filles, Véronique et Francesca, avec leur famille, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ainsi que son filleul Matteo. Un grand merci à vous tous d'être venus, les amis, les connaissances, les membres de la paroisse. Votre présence nombreuse fait beaucoup de bien en ce moment. Et notre Dieu est là cet après-midi pour nous parler, nous consoler et nous apporter sa lumière dans ce temps de séparation. On va du reste invoquer sa présence. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Notre Dieu, d'emblée, nous déposons notre tristesse, parce que c'est bien le premier sentiment qui nous a envahis, et c'est bien le premier sentiment qui nous envahit encore aujourd'hui. D'apporter notre tristesse, d'apporter notre manque, et te demander d'être là, au milieu de nous, pour nous apporter la consolation dont nous avons vraiment besoin. Merci parce que tu es ce Dieu bon qui nous connaît et qui est toujours présent, doucement et puissamment, dans des instants tels que ceux-ci. Et puis Seigneur, c'est aussi rempli de reconnaissance que nous sommes là. Chantal nous a tellement apporté et on veut aussi te dire merci. Merci pour elle, merci pour sa vie. Merci pour son parcours. Alors Seigneur, c'est avec notre cœur partagé en deux que nous sommes là et nous invoquons la grâce et la paix pour vivre ce moment fort. Au nom du Christ, amen. Merci de reprendre place. Et puis au passage, si ça n'est pas déjà fait, merci de penser à mettre sous silence vos appareils mobiles. Chantal n'est plus là. Une absence imposée à nous soudainement. La tristesse est grande, je l'ai dit, et son absence nous fait mal. Elle va tant nous manquer. Des sentiments sombres sont légitimes. Comme l'abattement, l'incompréhension, le sentiment de l'injustice ou la colère, parce que nous mesurons la douleur. Une vie arrachée, une personne précieuse nous est enlevée brutalement. Et pourtant, chère famille, vous êtes habité par un état d'esprit différent, celui de la sérénité et de la paix. En un temps tellement court, vous avez parcouru ensemble un cheminement considérable. Votre unité et votre proximité vous portent, votre écoute mutuelle et respectueuse vous ressource, si bien que, solidaire comme vous êtes résilient. Dans l'histoire de votre famille, votre unité a beaucoup compté pour Chantal. Alors vous affrontez ces instants de séparation comme elle aimait vous voir, complice, vous aimant, vous soutenant et vous consolant l'un l'autre. Chantal a semé l'amour dans votre famille. À l'évidence, sa semence a levé pour un fruit magnifique. Chantal était prête pour partir. Au vu de sa trajectoire où l'adversité ne l'a pas épargnée, ça n'est pas la première fois que sa fin venait à sa rencontre. À ton adresse, Martin, elle a déjà eu ces mots. « S'il m'arrive quelque chose ».
Sa fin, ce fut d'abord une belle retraite spirituelle à la communauté de Saint-Loup, à laquelle elle était reliée depuis de nombreuses années. Une magnifique journée en compagnie des bergères, entourée de ses amis. Une fois Chantal à l'hôpital, une fois établie la gravité de l'AVC qui l'a terrassée d'un coup, votre famille l'a entourée d'affection. Vous lui avez exprimé votre attachement, vous lui avez dit merci. Rapidement informée, la paroisse s'est mobilisée en priant pour elle et pour vous. Au fil des heures, votre famille entière est venue auprès d'elle, y compris ses petits-enfants, qui ont désiré s'approcher de leur grand-maman dans ses derniers instants. Votre douce présence l'a accompagnée jusqu'au bout. Elle a vécu sa vie pleinement, jusqu'à son terme. Comme le disait Aurélie, elle a vécu ce qu'elle voulait vivre jusqu'à la dernière minute. Et c'est dans cette gratitude-là que vous traversez la douleur de la séparation. Pour me communiquer la mort de ta femme, Martin, tes mots furent ceux-ci. Chantal est partie cette nuit, paisiblement, entourée des siens, entourée de la prière. Il faut remarquer qu'en raison de ton ministère au réseau international, des chrétiens du monde entier ont porté Chantal et ta famille devant notre Dieu. Quand nous avons préparé ce culte, vous avez d'emblée été très clair. Nous ne voulons pas une cérémonie triste, ni un ton compassé. Au contraire, vous avez même parlé de gaieté. Vous désirez que cet après-midi, nous soyons vivants et que nous célébrions la vie. Et de cette manière, nous collons à la reconnaissance que Chantal exprimait régulièrement. Comme Martin, tu le soulignais, ta femme disait souvent merci. Plus exactement, elle disait « merci pour la vie ». Au moment de prendre congé d'elle, nous n'allons pas nous positionner autrement. À notre tour, nous disons merci pour la vie de Chantal et l'incroyable richesse de son parcours. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons choisi de chanter trois fois pendant ce culte, ce d'autant plus que Chantal aimait le chant et la musique. Pour nous conduire, nous serons accompagnés par Guy Barblanc, Paul et Françoise Horton, des amis de Chantal, Françoise étant la témoin de mariage de Chantal. Et d'emblée, on prend un premier chant qui évoque le rassemblement. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. La semaine de prière mondiale pour l'unité des chrétiens. Une semaine qui commence demain. Une semaine de prière chère au cœur de Chantal depuis de nombreuses années. Pour chanter, je vous invite à vous lever. Et les paroles sont projetées à l'écran. Thank you.
J'en viens aux éléments phares de la personnalité de Chantal que nous avons retenus. Et je dis ma reconnaissance à votre famille pour m'avoir afin de me raconter votre Chantal, notre Chantal. Vous étiez tous là, et ça m'a beaucoup touché. Je commence avec la bataille de la vie. Depuis l'âge de 28 ans, Chantal a traversé moult difficultés en termes de santé, avec peu de répit entre deux batailles à mener. Cependant, gardant le moral, elle n'a jamais cessé de se battre. Malgré la souffrance, vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Pour reprendre tes paroles, Martin, devant moi, elle ne s'est jamais apitoyée. Même quand les choses allaient mal, elle avait cette capacité de relever le positif. Elle restait debout, ne se considérant pas elle-même comme une personne diminuée par les coups durs. On comprend dès lors que Chantal ait été une admiratrice de Mimi Mati avec sa carrière d'humoriste et d'actrice. À vous entendre, j'ai compris que la vie de Chantal a connu deux périodes. Il y a d'abord la Chantal de ses jeunes années. À cette époque, elle a lutté pour faire sa place, lutté pour se faire entendre, ou lutté pour ne pas se faire entendre. Par la suite, elle s'est redressée, affirmée, émancipée, pour au final parvenir à la posture de sa liberté. Une posture que vous avez résumée en ces mots fleuris. Chantal se foutait de ce que les gens pensent à son sujet. J'appelle ça une belle réussite. Cette liberté d'être et d'exister, Chantal la manifestait par exemple quand elle se rendait au central. Elle y allait pour saluer tout le monde. Quand on travaille dans un restaurant, c'est souvent la bourre. Et le personnel n'a guère le temps de converser ici et là. Pour Chantal, ça n'était pas un problème. Elle s'asseyait et attendait tranquillement qu'on veuille bien passer vers elle pour papoter. Ou alors, se sentant comme à la maison, elle entrait dans la cuisine pour dire bonjour au personnel. Avec elle, on était en présence d'un paradoxe. Fine de corps, elle dégageait une impression de fragilité. Mais à l'intérieur, son moral était de feu. Contre vents et marées, elle persévérait pour arriver à son but. Elle ne baissait pas la garde. Et pour vous, sa famille, comme pour nous tous, la ténacité de Chantal restera une énigme, pour une part. Et la question demeure, comment faisait-elle pour rester forte dans l'adversité? Pour ma part, je m'incline et je dis bravo Chantal et merci à notre Dieu pour ton enfant tellement inspirant. L'autre soir, j'ai souri quand vous avez prononcé ces mots à son sujet. J'ai 18 ans dans ma tête. Vous n'oublierez jamais que croquant la vie et ne renonçant à rien, elle aimait sauter dans la neige, elle a fait du ski nautique, elle est montée à cheval. La natation lui plaisait énormément, en mer comme au lac. Quand elle se trouvait au bord de l'océan, avec ses grandes vagues qui s'écrasent sur le rivage, elle se jetait dans les rouleaux. Pour fêter ses 60 ans, du haut du Salève, elle s'est lancée en parapente. En tout temps, elle était prête à se hisser sur la moto de son fils. En 2020, avec son mari, ce fut un tour de Suisse à vélo. Et je n'oublie pas de mentionner vos nombreuses randonnées. J'enchaîne avec les voyages. À l'âge de 31 ans, elle a passé 2 années au Rwanda. C'était une aventure avec ses 3 enfants. Et bien que sa vie fût celle d'une expatriée, avec les parties de tennis qui vont avec, elle s'est investie auprès d'un orphelinat.
elle éprouvait un regret, celui de ne pas être retournée dans ce pays. Les voyages étaient une passion qu'elle partageait avec toi, Martin. Vous avez parcouru, par exemple, l'Arménie, le Liban, la Colombie, le Guatemala, Madagascar, l'Égypte, sans omettre la Terre Sainte, théâtre de votre voyage de noces. Comme toi, Chantal se sentait concernée par la mystérieuse destinée de cette région. L'année 2013 restera un souvenir marquant dans votre parcours familial. Sur 15 jours, vous avez fait en famille le pèlerinage de Jérusalem. Ce voyage a comblé Chantal de bonheur. Il fut le sommet de sa vie. Ce voyage a fait l'objet d'une préparation soignée. Chacun de vous a reçu un livret du programme conçu tout exprès. Il faut dire que c'était du sérieux, ce voyage. Une conférence le matin, une visite, une conférence l'après-midi, mais de bons repas aussi. En lien avec la Terre Sainte, nous prenons un deuxième chant dont la mélodie justement vient de là-bas. Et il s'intitule « Car ta bonté vaut mieux que la vie » et nous nous levons pour chanter. De reprendre place. Votre histoire de couple, Martin, a commencé il y a une vingtaine d'années. Vous avez appris à vous connaître sur les télésièges de la station d'Ovrona. En ce temps-là, tu étais pasteur à Prilly. La paroisse du Mont, elle, organisait des camps d'hiver. Cette année, c'était à l'accordé. Tu t'y es rendu comme participant. Puis ensuite, vous avez cheminé. Elle est venue aux rencontres de partage biblique que tu animais à prier. Elle a manifesté son intérêt pour tes filles, pendant que toi, tu te penchais sur le vécu de ses enfants. Merci Chantal pour ces 20 ans de bonheur. Ce sont ces paroles de reconnaissance que tu lui as formulées lorsqu'avec tes filles et une amie, Claire-Lise, nous étions auprès de Chantal l'après-midi précédant sa mort. Procédant à son onction d'huile,
nous avons évoqué sur elle la puissance de Dieu et la lumière du Christ. Ceci dit, n'allez pas croire que Chantal et Martin fussent d'accord sur tout. Suivant les sujets, nous confiais-tu, il valait mieux être de son avis. Effectivement, je relève affectueusement que Chantal pouvait avoir le ton sec. Et tout pasteur que je sois, j'y ai goûté aussi. Toutefois, ces désaccords ne dégénéraient pas en conflit, parce que vous vous aimiez, parce que chacun respectait l'autre. Martin, par rapport à l'exercice de ton ministère, tu as pu compter sur son indéfectible appui, que ce soit dans le soutien que vous apportez aux jeunes artistes, des engagements en faveur de l'écuménisme ou de ta longue marche vers Jésus Célébration 2023. J'ai écrit juste et j'ai dit faux. 2033, Jésus Célébration 2033. Elle se tenait à tes côtés et tu pouvais tout lui dire. Chantal épouse et Chantal maman, belle-maman, grand-maman. Elle vous a offert son accueil permanent et sa disponibilité en toute occasion. Elle avait à cœur de garder le lien notamment avec ses petits-enfants. Vous avez bénéficié de son excellente cuisine. Et pour exemple, sa ratatouille restera gravée dans votre palais à tout jamais. Elle avait ce talent pour concevoir des nouvelles recettes avec des restes. Les petits-enfants souhaitent maintenant manifester leur attachement à leur grand-maman. Vous allez d'abord allumer des lumignons pour ensuite lui dire quelques mots. Je vous passe la parole et le geste. De la part des petits-enfants. Grand-maman, on est tous réunis ici pour te dire au revoir et pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Pendant 21 ans, tu as été là pour t'occuper de chacun et chacune d'entre nous avec amour et bienveillance. Tout ce que tu nous as apporté ainsi que tous ces souvenirs avec toi resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Merci de m'avoir accueilli chez toi durant 3 ans. Nos discussions durant les repas vont me manquer. Emma. On a toujours passé de chouettes moments chez toi. Merci. Amandine et Laszlo. Je garderai toujours en mémoire le moment des repas où l'on avait chacun une assiette spéciale à notre nom. Merci pour ton optimisme et pour les moments partagés. Aurélie. Je te remercie pour tous ces moments passés avec toi, du grand cirque Playmobil au véritable cirque de Gagnères. Johanna, je t'ai aimée jusqu'à la fin de tes jours. Elisabeth, merci pour tous les repas du mercredi midi. C'était toujours beaucoup trop bon. Pensez à ta bonne humeur constante et à ta joie de vivre. Va laisser un rayon de soleil dans nos vies. Estelle,
Merci pour tous les chants. On va toujours penser à toi en chantant. Atina. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous. On t'aime fort. Tes petits-enfants, Emma, Estelle, Aurélie, Johanna, Atina, Laszlo, Amandine, Elisabeth et Raphaël. Chère grand-maman, Estelle voulait te dire merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, appris et partagé. Merci de m'avoir toujours accueillie chez toi avec le sourire. Merci pour ton optimisme et ta bonne humeur permanente. Que ce soit pendant les réunions de famille, les moments avec toi en camp, les week-ends en vadrouille ou encore les mercredis après-midi pour les crêpes parties ou les lasagnes maison, chaque moment passé avec toi restera gravé dans ma mémoire et je ne pourrai jamais les oublier. Tu t'es tellement investie et tu nous as toujours emmenés partout, sans jamais te plaindre et en étant toujours de bonne humeur. Tu nous as fait découvrir la forêt du Mont en marchant jusqu'au vivarium. Cette balade était pour moi une expédition incroyable et j'étais toujours plus que motivée à courir et sauter dans les tas de feuilles mortes. Je me souviens de la fois où j'avais fait exprès de te guider sous l'eau qui coulait. On avait beaucoup ri. Avec toi, c'était toujours l'aventure. Que ce soit dans les arbres en imitant les singes ou en apprenant à conduire ta voiture manuelle, ce qui ressortait toujours, c'était des rires et du plaisir. Même si, sur le moment, quand tu m'avais laissé démarrer en troisième avec une file de voitures derrière moi, je rigolais un petit peu moins. L'image que je garde de toi est celle d'une femme qui a toujours eu 18 ans dans sa tête et qui était toujours rayonnante. Même si tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie, tu te relevais toujours et j'avais l'impression que rien ne t'atteignait. Tu étais ma super-héroïne, super forte, super joyeuse et invincible. Je t'aime énormément et tu vas beaucoup me manquer, Estelle. Chère grand-maman, merci. Merci de toutes les belles choses que tu as apportées à ma vie. Je garderai bien au chaud dans mon cœur ta Toyota verte avec les cassettes et le siège bébé trop petit pour la grande fille que j'étais devenue. La grande malle à déguisement dans le grenier et nos spectacles de cirque avec Estelle. Le cirque des Playmobil, le bateau pirate et le hamac dans le jardin. Le bain du matin avec la tournique où tu nous faisais voler au-dessus du lit. Quand on faisait le concours de qui serrait l'autre le plus fort pour montrer qui aimait le plus. La bavette lapin bleu et les crêpes parties. Tu as bercé mon enfance de père castor et de balade au vivarium. Mais tu étais aussi là dans mon adolescence, à cuisiner de bons petits plats. Tu m'as emmenée, certes la première fois un petit peu avec force, à Gagnères, et chaque année, j'ai vécu des moments inoubliables là-bas, avec toi. Tu étais aussi là quand ça n'allait pas. Tu m'as donné la force de me battre. Comme toi, tu t'es battue pour ta vie. Tu as été un exemple, et tu le seras toujours. C'est difficile de savoir que tu n'es plus là, puisque tu as toujours été là. Mais finalement, tu seras toujours là, dans nos cœurs. Tu as laissé une trace de toi dans chacun d'entre nous. Et merci pour ça. Merci d'avoir été toi. Je t'aime tellement fort, Johanna. Voilà, maman, je te lis un texte qui a été écrit par ta petite fille Aurélie. Chère grand-maman, j'aimerais qu'on se remémore quelques souvenirs qu'on a vécus ensemble. Pour chacun de vos petits-enfants, toi et Martin, nous avons organisé un week-end surprise à l'occasion de nos 10 ans.
Je l'attendais avec impatience. De plus, que j'y allais accompagné de Johanna et Atina, qui étaient également dans leur 10e année. En octobre 2015, nous avons eu la chance de passer une nuit dans un parc animalier. Et la surprise ne s'arrêtait pas là. Tour en calèche, cerf-volant, glace. Vous nous aviez vraiment gâtés. Si je peux résumer ce séjour en un mot, je dirais la joie. Un mot qui te correspond pleinement. Merci, merci de nous avoir transmis tes valeurs et ton optimisme. Aurélie. Après la Chantal famille, c'est ensuite son cœur tourné vers les autres. Un cœur social. Habitée par une vraie curiosité, elle s'intéressait aux personnes. Fidèle en relation, elle pouvait compter sur des amitiés de longue date. Et depuis 2023, non, ça, ça joue pas. J'enlève là, aujourd'hui, les dates, ça va pas. Elle avait pris fait et cause pour l'association Tahadi, une œuvre qui travaille au Liban, pour apporter des ressources, notamment auprès des enfants et des femmes aux prises avec l'adversité. À ses yeux, il lui était primordial que les personnes qui travaillent sur place le fassent dans un esprit d'amour et de respect à l'image du Christ. Toujours prête à rendre service au comité, c'est elle qui se chargeait de remercier les donateurs. Et dans notre commune au Mont, elle participait activement aux activités de Mont Solidaire. Un jour, elle m'a confié combien pour elle, c'était important que dans une commune comme la nôtre, on bâtisse des liens. Une fois par mois, elle se rendait dans une classe d'école pour offrir un moment de lecture aux enfants. Et ce, malgré ses difficultés d'élocution. Qui aurait fait ça? Je vous le demande. Qui aurait fait ça? Quand la prononciation des mots est un enjeu majeur, on ne fait pas la lecture aux autres. Mais Chantal, oui. Chantal, si. Quand j'ai écrit ce que je viens de vous dire, les larmes sont montées aux yeux. Je trouve ça tellement magnifique. C'était Chantal, ça. Battante, généreuse, elle ne ratait pas une occasion pour bénir les personnes. En parlant de lecture, justement, elle dévorait les livres. Elle était du reste la première lectrice de tes rédactions, Martin. Lectrice et correctrice. Tu avais remarqué, son français très sûr. Non seulement elle lisait beaucoup, mais elle n'avait de cesse de se former, d'où le beau compliment de son mari. Ses avis étaient ceux du bon sens. Chantal, c'est encore l'intensité de ses engagements. Et comme pasteur, je suis bien placé pour m'émerveiller. Quand je considère l'organigramme de nos activités paroissiales, et elles sont fort nombreuses, je me demande où Chantal n'y figurait pas. Je prends ma respiration et me lance dans le désordre. Elle a fait partie du conseil paroissial. Elle était déléguée à la région. Elle a donné le cathet aux ados. Elle était monitrice pour l'éveil à la foi. Notre responsable enfance pouvait compter sur elle pour porter nos mini-camps d'enfants. Elle préparait le stand de confection des boules de Noël à l'occasion de la Saint-Nicolas au Châtaignier. Elle était une colonne de nos comités pour les camps. Elle était impliquée au groupe d'accueil des migrants du Mont. Elle siégeait au dicastère maturité. Elle était de l'équipe qui conduit nos modules de formation. Elle avait un groupe de maison. Elle participait à plusieurs groupes de prière. Elle a porté les cours Alpha, qui sont des modules d'initiation à la foi chrétienne. Elle co-organisait la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle préparait le thé-café pour nos après-cultes. Elle a produit une œuvre pour chacun de nos cultes artistiques. Elle venait au domicile de nos jeunes parents paroissiens pour garder leurs petits quand ils avaient besoin de cette aide précieuse.
Et pourtant, malgré son planning de ministre, elle avait encore le temps d'ouvrir son agenda papier et avec son crayon d'y inscrire un rendez-vous supplémentaire avec vous, sans faire état d'aucun surmenage. Il est probable que cette propension à l'engagement relève pour une part d'un héritage familial. Son papa, Philippe Gold, chimiste et figure éminente en Suisse romande, était lui aussi très actif. Et puis Chantal avait un truc tout simple pour assumer tout ça. Son réveil sonnait à 6 heures du matin. J'ai noté enfin sa fibre artistique. Elle réussissait ce que ses mains concevaient. Dans le cadre d'un stage artistique à Gagnères, elle s'est lancée dans la sculpture. Et pour vous les enfants, elle prenait place dans sa chaise à bascule pour confectionner des tricots compliqués. Il me reste à évoquer sa foi. Au préalable, je cède la parole à Georges Ferreira. Comme Martin, il est membre des Focolari, un mouvement qui porte au monde le message de la paix et de la fraternité. Chantal participait pleinement à ses rencontres avec son mari. Qui plus est, Georges est le témoin de mariage de Martin. Psaume 34, versets 2 à 8. Je veux remercier le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Levez les yeux vers lui et rayonnez de joie. Que la honte n'assombrisse pas votre front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors danger. Il y a 4 ou 5 ans, Chantal a exprimé cette volonté à son mari. S'il m'arrive quelque chose, je veux ce verset du psaume 34. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. C'est cette parole que vous avez choisie en préambule au faire part de sa mort. Le regard et le rayonnement. Vous êtes nombreux à rendre ce témoignage. Chantal, c'était le regard pétillant, c'était l'étincelle de lumière dans les yeux, c'était le rayonnement de son sourire. Et c'est remarquable lorsqu'on regarde des photos d'elle, et celle que vous avez devant vous est remarquable. Parce que Chantal avait ses regards tournés vers Dieu, elle rayonnait de joie. La joie, c'est une promesse qui s'est accomplie dans sa destinée. La joie, elle l'a incarnée dans sa vie de tous les jours. Le matin, avec elle, Martin, vous consacriez un moment ensemble pour votre ressourcement spirituel. Dans votre prière, immanquablement, vous apportiez vos enfants dans les mains du Seigneur. Et alors, à notre Dieu, Chantal lui disait régulièrement « Merci pour la vie ». Chantal, c'était la joie d'exister, la joie de sa relation à Dieu, et la joie de ses rencontres avec nous. Son cheminement avec Dieu a commencé dès ses primes années. C'est précocement,
qu'elle a connu la grâce de sa rencontre personnelle avec Jésus. Et depuis lors, cette intimité avec son Seigneur l'a toujours habitée. Elle était comblée par la bonté de Dieu pour elle, un Dieu qu'elle aimait de tout son cœur. Et si Chantal avait la joie chevillée au corps, ce n'est pas parce qu'elle était une privilégiée de la vie. Ce n'est pas parce que la vie était facile pour elle. Ce n'est pas parce que tout lui était donné. Au contraire, ce qui lui a été donné pour une bonne part, c'est l'adversité. Sa joie, Chantal la puisait dans l'amour qui l'unissait à Jésus. Sa force, ce n'était pas la puissance de son corps. Sa force, c'était sa foi. Sa force, c'était sa confiance dans la bonté indestructible de son Seigneur pour elle. Mais pas seulement pour elle, pour nous aussi. Elle croyait dur comme fer à l'amour de Dieu pour vous et moi. Et c'est pour cela qu'elle n'a cessé de s'investir auprès des enfants, ici comme au Liban. C'est pour cela qu'elle s'engageait partout où des liens étaient à bâtir, parce qu'elle croyait à l'amour de Dieu pour vous et pour moi. C'est grâce à sa foi, enfin, qu'elle était prête pour partir. Si sa vie était le Christ, sa mort aussi. À ce sujet, elle se reconnaissait complètement dans ces paroles de l'apôtre Paul. « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. » Le bonheur de Chantal, c'est que ces deux conditions lui convenaient, vivre et mourir. Parce que le Christ les habite pleinement les deux, la vie et la mort, sa vie et sa mort. Chantal avait la même hésitation que Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si, en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiré des deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, c'est en effet beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. Alors c'est quoi le meilleur? Rester ou s'en aller? Pour toi, Martin, pour vous les enfants comme les petits-enfants, pour vous tous comme pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Nous aurions voulu que Chantal vive encore longtemps, nous bénissant de son rayonnement, parce qu'on l'aime et parce qu'elle nous aimait. Mais il se trouve que malgré la force de l'attachement qui nous lie à elle, Chantal ne nous appartient pas. Elle appartient à son Seigneur, à notre Seigneur. Et ce qui me touche, Martin, c'est que dans la communion qui te relie à Chantal, tu te positionnes comme elle et pleinement présent à ce moment où tu prends congé de ta femme, tu marches dans cette acceptation. Chantal appartient au Seigneur. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Il est un chant qui reprend cette promesse et avec lui on termine cette évocation de la vie et du témoignage de Chantal. Je vous invite à vous lever encore pour chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur ».
Je cède la parole à Martin. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux. Ça fait beaucoup de bien d'être porté par l'amitié, votre amitié. Ça nous permet de traverser ces moments difficiles. Alors je vous remercie de la part de toute la famille d'être venu entourer Chantal. Nous avons reçu de nombreux témoignages qui nous disent combien Chantal a compté pour beaucoup de personnes. C'est très émouvant. Et le vide qu'elle laisse est évidemment immense dans nos vies, dans la paroisse, dans les différentes associations où elle était active. Mais ce vide, évidemment, est aussi compensé par votre présence, par votre amitié, votre prière. Chantal est entrée dans ma vie comme un rayon de soleil du matin, très rapidement. Et puis, elle est partie de ma vie la semaine passée, comme un rayon de soleil du soir aussi, très rapidement. Mais voilà, il y a une grande lumière qui reste. Le témoignage de sa personne de 20 ans vécu avec elle. Et je suis heureux que Françoise et Georges, les deux témoins, sont de notre mariage que nous avons vécu ici, dans cette église, qui a vu de nombreuses et belles, beaux événements, soit là cet après-midi. J'aimerais évoquer une petite anecdote sur Chantal, et puis ensuite terminer par une prière. Alors on peut mettre la dia. Est-ce que ça joue, Sandra? Bien. Chantal et moi, nous avons été actifs dans les montées de Jérusalem. Chaque année, nous nous rendions à Jérusalem pour visiter des amis et des communautés, autant du côté juif que du côté arabe. Et en octobre 2017, Chantal a passé une semaine à Bethléem,
au monastère de l'Emmanuel pour la cueillette des olives. Et vous la voyez là, dans ses œuvres, en train de cueillir des olives. Et voici ce que m'ont écrit hier les sœurs de cette communauté. « Cher Martin, nous avons le cœur transpercé par ce départ si brutal. » Et nous voulons te dire à quel point le souvenir de Chantal, chantant dans les oliviers durant les cueillettes des montées, restera une des belles images que nous gardons de ta merveilleuse épouse. Que Dieu te bénisse et te console, toi et ta famille. Durant cette semaine, dans ce lieu béni, il est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire à Chantal, je vous le raconte. À la fin de son séjour, elle a constaté qu'elle avait perdu le diamant serti dans sa bague. Et elle en était évidemment très attristée. Comment retrouver un petit diamant dans une grande propriété ? Plus difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Or, l'année suivante, nous étions de retour dans ce monastère. Et pendant le repas, sous une tonnelle, Chantal voit quelque chose briller et le ramasse. C'était son diamant qu'elle avait perdu une année auparavant. Quelle joie ! C'est extraordinaire, hein ? Petit miracle. Chantal savait qu'elle ne s'appartenait pas, mais qu'elle appartenait à Jésus-Christ. Et pour elle, Jésus est son diamant et continue à être son diamant. Comme Alain l'a dit, elle lui a donné sa vie très tôt, dès l'âge de 7 ans. Elle savait où elle allait. Elle savait que rien ne pouvait le séparer de lui, ni la mort, ni la vie. Et vendredi dernier, il est venu la chercher, il est venu chercher son bijou pour l'introduire dans le sein du Père, la Jérusalem céleste. J'aimerais maintenant vous inviter à une brève prière basée sur ce verset que Chantal a choisi. Regardez-la. Elle doit rayonner de joie dans la présence du Père, dans la communion de l'Esprit. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Vous pouvez aussi maintenant fermer les yeux pour la prière. Prions. Loué sois-tu, Seigneur, d'avoir donné à Chantal de vivre cette promesse. Quand on regarde vers toi, on est rayonnant de joie. Loué sois-tu, car c'est toi le premier qui a tourné ton regard vers elle. Tu as frappé à la porte de son cœur. Quand elle était encore une enfant, elle s'est alors tournée vers toi et t'a mis en premier dans sa vie. Loué sois-tu pour la belle personne qu'elle a été, pour sa famille et ses amis. Tant de personnes ont été touchées par son rayonnement. Loué sois-tu pour les 20 ans de bonheur que tu m'as donné à ses côtés. Chaque matin, je rencontrais son sourire. Nous écoutions ta parole, faisions silence devant toi, partagions ce qui habitait notre cœur. Recevions ton pardon, goûtions à la saveur du vin nouveau et pouvions te confier notre journée et nos rencontres. Loué sois-tu pour sa grande hospitalité et son esprit de service tourné vers les autres. Loué sois-tu pour son courage dans les temps d'épreuves, de pertes ou de maladies. Tu lui as donné de regarder à toi en tout temps, même dans la désolation. Oui, loué sois-tu pour ta présence forte et tendre, toi l'Emmanuel,
Dieu parmi nous, qui nous a aimés jusqu'à l'abandon. Toi, le ressuscité qui transforme nos vallées de l'orme en oasis de bénédiction. Seigneur, en ce silence, en ce temps, en ce moment de silence, nous te disons notre tristesse, mais aussi notre reconnaissance. Seigneur, que soient consolées nos fibres intimes blessées par la mort, et que le souvenir imprenable de ce qui a été fait et tissé, la beauté de notre vie avec Chantal, nous soit à tous une source de paix et de reconnaissance. Que ton esprit donne à tous l'encouragement, si nécessaire, pour aller de l'avant. Cet encouragement que tu as donné tant de fois à Chantal. À nous aussi, fais-nous la grâce de regarder à toi, pour que nous rayonnions de ta joie et chantions tes louanges dans les oliviers de nos vies. Amen. On va mettre une dernière photo. Comme Alain Wirth l'a déjà dit, nous avons vécu un magnifique pèlerinage familial en 2013 avec, pour les 60 ans de Chantal. C'était un magnifique moment pour elle. Elle était vraiment, elle m'a dit à Martin, vraiment, je suis comblée de joie, comblée de joie. Là, nous sommes avec un grand ami, Émile Choufani, celui qu'on a surnommé le curé de Nazareth, un grand acteur de dialogue et de paix, dont on a tous besoin dans ces temps terribles en Terre Sainte. Et je m'adresse à toi maintenant, Caroline. En souvenir de ta maman, j'aimerais te donner la nouvelle bague où se trouve le diamant perdu et retrouvé de Chantal. Une nouvelle bague que Chantal a fait faire parce que toi aussi, tu es infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce culte. Martin ayant déjà prié pour nous, je vous invite simplement à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Chacun ici est un joyau pour Dieu. Chacune ici reçoit la pleine et entière bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce et la paix vous sont en partage. Allez dans la paix et dans la lumière du Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Merci beaucoup, beaucoup de votre attention, notamment aux personnes qui sont restées debout pendant tout le culte. Un grand merci de votre geste d'affection. Ainsi, simplement des annonces à vous communiquer. D'abord, de ma part et ensuite de la part du personnel des pompes funèbres. Merci à vous qui avez pris une part active à ce culte, à Sandra, notre projectionniste, à nos chantres et musiciens qui sont là, assis devant vous, et puis à Georges pour les lectures. En sortant du temple, vous pouvez librement contribuer à une collecte qui est destinée à soutenir l'association Tahadi, cette œuvre si chère au cœur de Chantal. Deux corbeilles, même trois, sont à disposition à la sortie pour recueillir votre offrande.
Et puis à l'issue du moment qui nous rassemblera au cimetière, vous êtes toutes et tous invités à partager une collation. Elle nous a été préparée au restaurant de Centrale. Merci infiniment de nous recevoir dans ce lieu magnifique qui était aussi tellement cher à Chantal. Et si vous ne nous accompagnez pas au cimetière, vous pouvez sans autre vous rendre au Centrale dès la sortie du temple. Je passe la parole au personnel des pompes funèbres pour la suite. Oui, chère famille, mesdames et messieurs, oui, nous arrivons maintenant au terme de cette cérémonie d'adieu pour faire mémoire à Madame Chantal Heuguer. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour témoigner de votre affection, de votre sympathie, et nous allons rendre les honneurs aux membres de la famille à l'intérieur du temple. Et comme vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui, je demanderai aux personnes qui sont assises sur les bancs de simplement rester à leur place, et aux personnes qui se trouvent dans les allées latérales de part et d'autre, de premièrement s'avancer par l'allée qui est sur la gauche afin de défiler devant les membres de la famille et de vous retirer par l'allée qui est sur votre droite. Ensuite, nous demanderons aux personnes qui seront sur la galerie de s'approcher et puis aux personnes qui se trouvent à l'extérieur et dans la salle de paroisse. Et pour finir, nous vous inviterons à vous approcher. À l'issue des honneurs, nous retirerons les fleurs et puis le cercueil quittera le temple, suivi de chacun des membres de la famille. Et nous nous rendrons au cimetière à la suite du véhicule funéraire à pied tout à l'heure. J'invite les membres de la famille à se lever et garder votre place. Et je demande aux personnes qui sont dans les allées latérales de s'approcher.